Quand tu veux. C'est bon? C'est pas bon? Oui! Il est 15h30 du mat. Ça va, je suis pas en retard. Oh mince, j'ai pas mis les trucs à jour. Attends, bouge pas. Faut mettre les trucs à jour. C'est fort! C'est fort! Oui! Rien n'est prêt, rien n'est prêt! Attends, je baisse ça. Bonjour! 15h30 du mat! Allez! Attends, je mets mes trucs à jour parce qu'en fait, c'est le bordel, j'ai lancé ça. On est sur les héros de la Ligue des Justiciers, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, Animal Crossing. Attends, on va le mettre en majuscule pour faire putaclic. Crossing, voilà. Le rendez-vous presque matinal. Allez, hop. Le rendez-vous. Hop, entre parenthèses. Hop. Presque. J'arrive, bouge pas. Je me suis pas préparé, j'ai lancé ça à l'arrache. Voilà, et du coup on va mettre les tags. Tout comme il faut. Bah oui, c'est une aventure, c'est une gestion, c'est une organisation. Hop. Vous avez eu du streaming cette nuit. On a avancé. On a bien avancé sur la Ligue des Justiciers. Et en tag, on va mettre ça en rétro. C'est bien rétro, voilà. Rétro. Rétro monde ouvert. Non, mais rétro. Voilà, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Est-ce que vous avez bien dormi? Moi, j'ai bien dormi. Pour me réveiller à cette heure-là, c'est que j'ai bien dormi. Mais j'ai fait des galettes cette nuit. À 2-3 heures du mat, j'ai fait des galettes. Bah, de toute façon, entre 2h et 3 heures du mat, parce que la pâte, c'est facile à faire. Ça va vite. Mais c'est à cuire, en fait. Voilà, j'ai fait une quinzaine, vingtaine de galettes cette nuit. Tranquille, quoi. Bon, allez, on va jouer. Salut mon petit ronchon, comment ça va? Bonjour. 20 fois que je dis bonjour. Ah, tu vois, revelard, souille. Ailleurs dans le slot. Ah, il est 15h51. Ah ouais, déjà. Bah ouais, déjà. Et nous sommes le 31 mars 2020. Bah ouais, vivement les thunes, quoi. J'ai faim, faut remplir les placards. Tu veux y aller, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait des galettes, hein, parce que j'en avais marre de bouffer la même chose. Oui, je veux y aller. Bah, j'espère. Est-ce qu'on va avoir la canne à pêche aujourd'hui? Hein, c'est ça la question. Oui, Mister No, ça n'a pas changé. C'est cool. Allez, hop, on se réveille, tout bien. Voilà, vas-y, cause toujours, tu m'intéresses. Ronchon arsouille, tu m'en fais d'une belle arsouille, toi. Alors, en espérant qu'il y ait du nouveau dans cette partie-ci. Ça va le son, du coup? Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Alors, c'est cool. Merci pour ta patience, mais je t'en prie. J'ai pas fait de pixel art depuis. J'ai pas joué énormément sur Animal Crossing. J'ai pas envie. Des fois, il faut savoir faire des pauses. Donc, on est toujours avec ce skin-là. Et puis, boule de cristal. Et puis, tiens, j'ai lu courrier. Alors, qu'est-ce que ça en raconte? Ah oui, mais c'est la fête. Attends, on va regarder. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est celui-là? Ah, bon, j'ai ma hache, mon fil à papillon m'appelle. Lettre de la G. Alors, ton aménagement te rapporte 612 points. Ta maison est assez spacieuse. À toi de voir si tu veux l'agrandir le 31 mars 2020. On verra ça. Ça, c'était quoi? Lettre de Margot pour Nose. C'était quoi? Salut, comment ça va? Moi, c'est la super patate. Tu sais pourquoi? Parce que tu m'as envoyé un cadeau. Merci beaucoup. J'ai une petite surprise pour toi. Je sais plus ce que c'était. Mais voilà, au moins un qui comprend ce que je lui raconte. Lettre du musée. Super. Donc, le fossile que tu nous as envoyé est un torse d'apatosaure. Cette créature pesait près de 35 tonnes. Nous te le retournons en attendant ton prochain envoi. Très bien. Donc ici, le fossile que tu nous as envoyé est un œuf de dinosaure. S'il pouvait éclore, nous te retournons ce très beau spécimen et attendons tes prochains envois. C'est pas vrai qu'il peut éclore, on peut pas avoir d'animaux de compagnie ici.
Le fossile que tu nous as envoyé, blablabla, est une empreinte de dinosaure laissée dans la boue. Nous te retournons ce spécimen et nous attendons tes prochains envois. Alors, on va prendre les cadeaux. Bah, au moins, on a des trucs à faire déjà dès le matin. C'est bien. Ouais, prendre le cadeau. Hop, on va l'ouvrir. On va acheter les lettres aussi directement. Non, non, c'est pas ça. Cadeau. Cadeau, hop, à ouvrir du coup, toc, ouvrir. Il y a beaucoup d'actions, je trouve, à faire. Voilà, pour de si petites choses. Voilà, vas-y, viens. Puis on n'a pas visité le musée pour savoir à quoi ça ressemblait, tous ces trucs-là. Hop, on jette, oui, 15 fois les mêmes actions. Oui. Vas-y, on n'a pas commencé, que déjà on est perdu dans les interfaces. Ah, c'est agréable. Ouais, alors New Horizon, ça va être vraiment mieux. Hein. J'aimerais bien y jouer, mais bon, j'ai pas de Swift. Jeter, voilà, on fait de la place. Voilà. On est content. On est content, c'est le matin, on se balade. On va aller voir Nook. Alors, moi, je veux la canne à pêche. Est-ce qu'on veut dire oh, bonjour, Margot? Bonjour, on viendra vous voir. Oh là, là, il y a un trésor. Il y a 1000 clochettes qui sont ici, à moins qu'il y ait de nouvelles choses à découvrir. Allez, 1000 clochettes. Ah, c'est une matinée qui commence bien. Et on va reboucher le trou. Toc. Super, mais t'es... Quel teubé, celui-là. Voilà. Oriente-toi correctement. On range tout ça. Hop. Voilà, tiens. Allez, on est à 10 000 clochettes. C'est pas encore assez hein, pour le rembourser, le gaillard, mais... Mais on va y arriver à force. Alors, dis-moi que t'as une canne à pêche. Parce que le poisson, on a envie de pêcher, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de canne à pêche. Ah, dis donc, ça a changé chez toi. Mais t'es qui, toi? Mais t'es qui? Tom Nook. Ah, mais c'est Tom, toujours. Bonjour, bonjour, c'est ton tour de sens. Tu peux tenter le sort si tu as les billets de tombola. Mais oui! Tu veux essayer? Mais oui, c'est parti, les tickets de tombola. Ok, ça tombe le dernier jour du mois. D'accord. Ok, bah c'est parti. Oui, super, on y va alors. C'est parti, t'as 5 billets de tombola. Bah c'est roche quand même. Oh non, pas de sens, tu n'as pas 5 billets sur toi. Tu ne peux pas participer si tu n'as pas 5 billets. Ah bah ils sont dans mes tiroirs. Tu comprends? Oui, bah oui. Ah du coup, t'as rien à vendre? Attends, je vais chercher mes tickets de tombola. Merci beaucoup, hein. Reviens vite. Je vais t'attendre avec impatience. Ouais, mais... Mais mince, en fait. Moi, je voulais une canne à pêche. C'est pour ça, là, que j'ai lancé la partie. T'es... Je vais pêcher le poisson, parce que... La nuit, il n'y a rien à faire. Et la nuit, je dors rarement. Donc, la nuit, j'ai envie de pêcher du poisson. Les tickets de tombola, ils sont là, il me semble. Du papier forêt, hein, du papier... Non, 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 bah rien du tout. Les tickets de tombola, ils sont là. Alors, panda, on en a un ticket Mars dedans. Oui, bah oui. Ticket Mars. Et du coup, bah ouais, j'en avais un supplémentaire, attends. Voilà, ils sont là. Allez, c'est parti, on y retourne, on y retourne. Ah, dis-moi que j'ai gagné un truc intéressant. Si c'est juste des thunes, ça m'intéresse pas. Je peux en faire comme je veux. Hop. Là, eux, on va aller leur parler un petit peu plus tard. Pour l'instant, ils sont pas intéressants. Allez, hop. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, d'accord. Allez. Du coup. Rebonjour. Bonjour, bonjour. C'est ton tour de centre. Tu peux tenter le sort si tu as des billets de tombola. Oui, j'ai des tickets de tombola. C'est parti. Très bien, allons-y, je te prends 5 billets, d'accord? Normalement, c'est un billet par tour, quoi. Déjà, même là, il nous arnaque. Roulez bolide. Ok, d'accord. Oh non, quel dommage, il n'a pas gagné. C'est pas de sens, hein. Reviens essayer plus tard. Et tu te fous de ma gueule, en fait. Et comment je fais pour t'acheter des trucs? Ok. Aujourd'hui, c'est à tombola, je ne vois rien. Il faut revenir demain pour acheter. Ah, l'escroc. Ah, mais l'escroc. Et puis mon ticket de Mars, en fait. Et tu achètes ou pas? Bienvenue, bienvenue. Pourtant, c'est ta sens à la tombola.
passe de l'autre côté de la table, hein, d'accord? Oh, mais c'est de la merde. C'est de la merde. C'est carré, c'est complètement de la merde. Merci beaucoup, reviens vite, hein, je t'attends avec impatience. Mais du coup, je peux rien te vendre. Donc tous les coquillages que je vais ramasser, tout ça, ça sert à que dalle. On va se faire chier. On va grave se faire chier. Oh merde. Oh merde. Attends, on va distribuer les fossiles à l'autre zouave, là. Bon, faudrait que j'arrive à attraper une cigale, là, sur les arbres. Pour ajouter ça dans le musée. Bon, on va aller faire un tour au musée. J'ai l'impression qu'on est dimanche, mais on n'est pas du tout dimanche. Mais ça fait comme si... Oh merde. Ah, c'est de la merde. Bon, ça, l'autre, il vient me dire d'aller à la parcelle A4. Comme d'hab. Les mauvaises herbes, je sais pas si ça sert à quelque chose. Il est 16h. Ma voix. C'est parti. Il est 16h. L'heure du crime. Allez, hop. Quelle voix je lui faisais au hibou? Je sais plus. Quelle heure est-il? Je suis tellement fatigué par le grand hibou, je suis affreusement désolé. Je suis plutôt un oiseau de nuit. Ouh, hein, bien. En quoi puis-je t'aider, mon enfant? Donner un objet. Ouh, magnifique. Qu'as-tu l'intention d'offrir à notre musée? Un fossile. Empreinte de dino. Il va me redire la même chose, non? Qu'est-ce que j'ai eu dans le courrier? À mon devoir. Je crois que nous avons déjà une empreinte dino dans nos collections, mais oui. Et le généreux donateur, tiens. Hein, c'est toi, tu ne te souviens pas, mais c'est ton os, tu es bizarre, toi. Ah, mais c'est une pièce de qualité, oui. Une jolie empreinte dino. Hein, tu as bien de la chance. S'ils avaient assez de closettes, je te la cèterai tout de suite, hein, je t'assure. Cela m'ennuie de te la redonner, mais nous ne disposons que de peu d'espace. J'ai hâte de voir tes prochains drons. Donc on vend des trucs, on fait du recel, quoi, d'œuvres d'art. Tout va bien. Eh bien, y a-t-il quelque chose d'autre que tu voudrais nous donner aujourd'hui? Oui. T'inquiète pas, je vais te filer ça, mon coco. Allez. Alors, empreinte de dino, œuf de dinosaure. Donnez. Est-ce que t'en as un œuf de dinosaure? Alors. Oulala, coucou, un œuf fossilisé, poilonné. Je suis vraiment désolé pour cette blague nulle. Je me suis un peu emporté avec tout ça. C'est un spécimen de toute beauté. En fait, cela me fait mal au cœur, mais je ne sais pas quel dinosaure a pu pondre cet œuf. Je peux cependant imaginer la couvée émergée de ces œufs. Une nouvelle vie apparaît. Un miracle de la terre et d'autres. Quelle merveille, quelle vision magnifique. Le flux et le reflux, l'herbe et la terre, la vie. Pitié, fou, non. Je dois m'excuser platement. Je divague encore. Je ne commande plus mon bec. J'aime beaucoup ce personnage. Tu as toute notre reconnaissance et notre gratitude. Y aurait-il autre chose que tu voudrais donner? Mais bien sûr. Ouhou, magnifique. Qu'as-tu l'intention d'offrir à notre musée? Ce truc-là, là, une empreinte, mais je crois que... Non, t'as déjà, non? Je sais plus. Un corde à pâteau. Oui, un corde à pâteau. C'est ce que je viens de te dire. T'écoutes rien ou quoi? Le jour où ce puzzle préhistorique sera terminé, sera un grand jour pour notre musée. Bonne chance. Ah d'accord, il y a différentes parties. Tu as toute notre reconnaissance et notre gratitude. Hein. Y aurait-il autre chose que tu voudrais donner? Non, c'est bon, ça va, là, je t'en donne assez. On va aller voir les fossiles, là, ce que ça donne, parce qu'on n'a jamais visité. Ton aide est vraiment précieuse, vraiment. J'espère que nous pourrons compter encore sur toi. Allons voir les fossiles. Ah, mais d'accord. Ah, il nous faut la tête et le cucu. Le cucu, la tête. Et donc ça, c'est ce qu'on a ramené jusqu'à présent. Mais c'est comme dans Staxel, en fait. Staxel, c'est vachement inspiré d'Animal Crossing. Ça me redonnerait presque envie d'y rejouer, Staxel. Et de refaire un musée, mais un musée hyper grand, en fait. Ah, mais c'est sympa avec ces notions-là. J'avais besoin d'avoir des notions d'Animal Crossing. Je connaissais pas du tout le jeu. Maintenant, je le connais, c'est cool. Ah mais vivement les poissons. Et ça c'est quoi? C'est l'étoile. J'ai rien aussi au niveau des étoiles. J'ai 3 papillons, 2 coccinelles et non même 2 papillons, 2 coccinelles et puis c'est tout. D'accord. Bon bah écoute, et bah les coquillages en fait ils vont me servir à que dalle. Ça sert à rien que je les ramasse.
Porcelaine, ça coûte rien. Pâte de lion, ça coûte rien. Pâte de lion, non. Ouais, y a plein de poiscailles. Bah si, y a les conches qui... Porcelaine, ça c'est de la merde, on est d'accord. Saint-Jacques, ça je veux bien en prendre une, la Saint-Jacques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là, je vais pas aller les voir. Sinon, faudrait que je fasse des pixel art. Des logos, porcelaine, on s'en fout. La conche, on veut bien prendre la conche. Ça aussi, ça coûte bonbon. Le corail, ça a sa petite valeur aussi. Là, on a quoi? Peigne de Vénus, c'est pas mal. Une Saint-Jacques. Non, pâte de lion, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on a? Peigne de Vénus, je prends. Par contre, ça y est, j'ai plus de place quasiment. Il va falloir ranger tout ça. Oh, petit trésor. Ben, un fossile. J'espère que c'est un fossile et que c'est pas un espèce de gyroïde à la mormoleneux, là. Vas-y. Ouais, c'est bon, c'est un fossile. On va l'envoyer, du coup. Ah, et puis j'ai plein de papiers à lettres dans mes tiroirs. Tiens, bah, regarde. Hop. On va faire de la place, écrire une lettre. Hop, musée. Terminé. Ok, oui. Fossile, on prend. Toc. Très bien. Hop, ça en plus. Comme ça, on va pouvoir poster ça. Attends, vas-y. L'appel, elle ne sert à rien tant qu'elle est dans mes mains et que j'ai rien à faire avec. On va continuer à avancer sur la plage. Attendez. J'ai 1, 2, 3, 4 emplacements de libre. Donc 4 coquillages. Ouais, jusqu'à demain. Voilà, non, il faut que je fasse des missions. Salut, Napoléon. Hey, salut, ça boum. J'ai une patate incroyable aujourd'hui. Et toi, la pêche? Le moral est bon, mon aiglon? Bah oui, à la pêche, tout va bien. Oh, c'est vrai, génial, méga cool. Ça tue l'enfer, super classe sans ça, continue à t'éclater. Dis-moi, comment puis-je t'être utile, Mister Nose? Un service? Oui, quelle coïncidence. Belle m'a emprunté un appareil photo et je l'attends encore, je vais lui sonner les clochettes. Alors dis-moi, j'en ai marre de cette histoire, tu veux pas aller voir Belle et récupérer mon bien, hein? Et vous causez jamais entre vous? Jamais ça vous arrive de faire un dis donc, copain, machin, quoi? Et voilà, tout est dit, je t'attends, Mister Nose. Voilà, bah oui, tu vas me donner de la merde encore. Après, les coquillages, je peux les laisser sur la plage et tout, en attendant qu'il y en ait d'autres qui pop. Hein, si je les mets, par exemple, ici, bon, bah, si je les dépose là, il y en a d'autres qui peuvent venir sur, ouais, sur la playa. Donc on peut faire ça, on peut le poser. C'est juste, en fait, les déplacer. Comme ça, je garde de la place dans mon inventaire. Je vais les disséminer aux mêmes endroits. Vas-y, hop, peigne de Vénus. Comme ça, ça peut revenir sur la plage. Voilà. Hop. Voilà. Mes mains, je l'ai repris. Oh, quel tartampion. Et donc, le fossile, il va falloir que je le vende. Mais ça, je vais pas le laisser au sol. Donc ça, même si je les laisse là, je pourrais les récupérer plus tard. Mais ça me permet... enfin, ça permet à la merde d'en déposer d'autres sur la berge. Donc c'est cool. On va aller voir Gwen qui habite juste à côté. Amour. Bon, elle est de sortie, elle, comme elle est là. Elle est de sortie. Attends, on va voir, on va frapper quand même. Je suis de sortie. Ils doivent être sur la place. Je dis ça, j'en sais rien. Est-ce qu'on a... On n'a pas de nouveaux résidents qui sont arrivés? Attends, je vais regarder. Gwen, Napoléon, ok. Léa, on connaît. Bébel, ok. Caroline, Bill, on connaît pas Bill. Nouveau ça. Ronchon et Louise. Margot et prof. Belle. Bien, on a un nouveau personnage ici que je ne connais pas. Donc on va aller voir. Donc je vais juste regarder sur la place s'il y a du monde qui se balade ici. En général, quand ils sont de sortie, ils sont dans le secteur. Enfin, en général, hein, mais c'est pas une systématique. Ouais, bah, d'ailleurs, c'est tellement pas systématique que là, il n'y a personne. On va vérifier. Bon, je vais sans doute pouvoir aller à la cueillette aussi des pois. Et puis au niveau des arbrisseaux, est-ce qu'il y en a un qui m'a donné des pêches ou des trucs comme ça? J'en ai planté des trucs. Hein. J'en ai planté. Donc ici, on avait vu qu'il n'y avait rien qui nous intéressait. Allez, go. On va reprendre le petit ponton. C'est la balade. Il va falloir que je fasse de nouveaux motifs aussi, mais je sais pas lesquels. Des trucs liés à la pop culture en général, ça passe bien. C'est marrant, c'est rigolo. On va aller voir Léa. Alors,
Léa, bonjour Léa. Ça va, toi? Coucou, chouette après-midi, un Espanistan nose. Voyons un peu, là il est 16h09, c'est bien ça. Ouais, ça fait 20 minutes qu'on joue, c'est bien. Hi hi hi, espèce de flémouse. Tu as pas l'impression d'avoir dormi trop longtemps? Mais j'ai bien dormi, mais cette nuit j'ai fait des trucs. Tu crois que la vie elle s'arrête la nuit? Mais la nuit tu peux faire, voilà, des machins, des bidules. C'est mauvais pour ta santé, tu sais, essaye d'avoir un rythme de vie plus raisonnable. En fait, c'est pas vraiment le rythme de vie qui est mauvais pour la santé. Ce qui est mauvais pour la santé, c'est de dire, par exemple, dormir ne sert à rien, c'est une perte de temps. Tu vois, ça, là, ça, ce serait de la merde de dire ça. Là, parce que là, tu vois, tu prends des risques pour ta santé, tu prends des risques pour prendre du poids, d'obésité, et tu prends des risques au niveau d'avoir des chances de choper la maladie d'Alzheimer, tu vois. Donc, faut dormir, faut avoir un bon temps de sommeil. Alors, tu as sûrement de bonnes raisons de venir me voir, hein? Et d'ailleurs, cette expression-là, elle vient d'une idée reçue qu'il y a un acteur américain qui disait « Je dormirai quand je serai mort ». Et en fait, il profitait de la vie en fumant des spliffs, en buvant de l'alcool et en se droguant. Voilà, donc c'est une illusion que de dire « Dormir ne sert à rien ». Une illusion, c'est irrationnel. Besoin d'aide. C'est gentil de demander, mais je n'ai rien à te confier, merci de ta gentillesse. D'accord, mais de rien. C'était la petite histoire du jour. Allez, go, on y va. Il y a des gens qui raisonnent comme ça, hein. J'en ai connu. Dormir ne sert à rien, oh là là. C'est hyper, hyper égocentrique en fait, en plus. C'est un biais, c'est plus un biais en fait. Ils disent pas ça méchamment, hein. Faut les comprendre, hein. T'as le droit d'y croire, bah c'est une croyance, encore. Voilà, ce qu'il y a, c'est que ça fait du dégât. Alors, on va continuer de se balader, on va aller sur la plage voir s'il y a des coquillons. Oh, bah tiens, un coquillon, pâte de lion, c'est nul. Ça, c'est nul. Peigne de Vénus, je vais le ramasser pour en déposer d'autres. Saint-Jacques, ici aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai plus le nom de l'acteur américain. Alors... mais il me semble que c'était un acteur américain. Alors ça, je vais le déposer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Poser. Mais il est obligé de fermer l'inventaire à chaque fois. Bah ouais, il est obligé. Hop. La conche. Et le peigne de Vénus. Le ticket de tombola, il me sert à rien en fait. Puisque j'en ai pas... Ou alors... Bah oui, parce qu'il vend rien. Donc je peux rien acheter, que dalle quoi. Et ça, c'est quoi? Porcelaine. Moi, je peux la laisser là. C'est de la merde. Bah, je peux laisser une chance de ramasser un truc supplémentaire. Allez, la porcelaine. Toc. Ça vaut rien, la porcelaine. Toc. Toc. Mais bon, si je la ramasse, je donnerai une chance supplémentaire d'avoir un coquillage en plus. S'échouer sur la plage. Est-ce qu'ils ont des objets trouvés aujourd'hui, les gars? Alors, voyons voir. Voyons un peu, nous n'avons aucun objet perdu, de ton prix, ne m'en veux pas trop, pardon. Ok, salut, ciao, bye, allez, à la prochaine. Ah, alors du coup, ah, merci d'être passé. Mais de rien, trou de cul. Allez, les mauvaises herbes, est-ce qu'il y aura un truc à faire avec les mauvaises herbes? Parce que moi, pour l'instant, je les laisse pousser, hein. Moi, je trouve que ça remplit un petit peu la cité et tout. On va aller parler au bonhomme. Est-ce que je me suis pas trop éloigné? Non, c'est bon. On va aller voir Bill, on va aller voir Bébel, on va aller voir Ronchon, tout ça. Et c'est bien, il y a de plus en plus de personnages. Là, il va me dire qu'il est sorti. Bah oui, voilà. Et ils sont rendus où, tous ces persos-là? Parce que je les ai pas croisés. Gwen, elle est où, là, Gwen? Ou alors, ils sont dans les alentours et je les vois pas, hein? Si, peut-être. Que dalle. Là, non. Attends, je regarde, hein. Hop, on fait le tour. Kaoline, elle me dit pas qu'elle est sortie, elle aussi. Ah non, elle est chez elle. Je pense qu'elle est chez elle ou aux alentours. Kaoline, ça fait penser à Kajoline. Bah, vas-y, toi, t'aimes les pluches, hein. Enfin, remarque, non, celle qui aime les pluches, c'est Léa. Alors, viens. Alors... C'est à nous à l'habitude de débarquer ici en plein après-midi, mon trésor. J'en suis arrivé au point, si je ne te vois pas dehors, je m'inquiète, je commence à tourner comme une folle. Eh, ne t'inquiète pas, hein, ça ne veut pas dire que je suis folle. Je t'assure, mon trésor. Alors,
Tu as sûrement de bonnes raisons de venir me voir, hein, mon trésor. Vas-y, tu veux un coup de main? On m'a dit qu'un animal de compagnie est vraiment génial. Non, c'est vrai, elle veut un poisson. Elle veut un poisson. Qu'est-ce qu'elle nous casse les... Hein? Elle nous casse, quoi. Un poisson rouge, c'est bon, mais il me faut une canne à pêche. Ils veulent tous un poisson, ils m'énervent et j'ai pas la canne à pêche. Faut attendre 2 jours à chaque fois pour faire un truc dans ce jeu-là, merde. On a pas de bol quand même. Oh non. Un ficus caoutchouc à droite. Alors, attends, bah voilà, maintenant que je sors, elle sort. Et Bébel, il est pas dans le secteur, Bébel. Attends, on va les trouver, j'entends le train. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. Ah bah attends, là il y a un ours mais il y a un trésor. Ah, ours en pluche. Bill. Hey, qu'est-ce qui se passe? On se connaît? Bah, je ne me souviens pas de toi, hein. Je m'appelle Bill. Et toi? Ok, tu t'appelles Mr. Nose, c'est ça? C'est un plaisir, Mr. Nose. Pourquoi tu cries? Faut pas crier. Il est fou, lui. Quoi? Encore toi? Re-salut, bah. Bon, j'ai l'impression que tu as besoin de quelque chose, hein. Raconte, hein, bah. Je peux t'aider? Quoi, vraiment? Oh, attends un peu, je dois pouvoir te trouver quelque chose à faire. Je sais, j'ai un truc à te faire faire. Bah, j'ai acheté ces vêtements, c'est un cadeau pour Mario. Mais je n'ai pas eu le temps de lui apporter. C'est une tenue plutôt classe, enfin moi, j'adorerais recevoir un cadeau comme ça, hein, bah. Donc j'aimerais bien le livrer à Mario, mais j'ai pas le temps de le faire moi-même. Tu peux t'en charger, bah vas-y. T'as pas le temps. T'es trop occupé à glander en fait. C'est ça l'idée. Bon, on l'appelle. Petit fossile, ce serait bien. Il va me filer un gyroïde. Il va me filer un gyroïde, tu vas voir. Gyroïde ou fossile ou autre chose? Non, fossile, ça va, c'est cool. Par contre, j'ai plus de papier à lettres sur moi. Laisse-moi tranquille. Ne regarde pas comme ça, tu me fais flipper. Hop, on va ranger ça. Toc. Non mais on s'occupe. Par contre, ouais, vivement qu'on ait des nouvelles actions à faire. Eh tiens, c'est ce que je voulais voir, c'est est-ce que j'ai vu ça? Est-ce qu'avec la pelle, on peut casser les cailloux? Parce qu'apparemment, les pioches n'existent pas dans Stardew Valley. Non, dans... Animal Crossing, oh là là, j'ai perdu le nom. Non, apparemment, non. Allez, hop. Donc la pioche doit exister. On n'en sait rien encore. Vous qui connaissez le jeu, vous devez rigoler. Donc bureau de poste, c'est con qu'on puisse pas acheter de lettres au bureau de poste. On est obligé de se les faire offrir par les villageois. Ronchon, il avait pas un truc. Attends, il y a pas un truc ici. Oh bah tiens. Oh bah fou. Super, j'ai pas besoin de retourner chez moi. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Un meuble à la con. Un rocking chair. Ah, c'est trop bien les rocking chairs. Les rocking chairs, c'est la vie. Les rocking chairs, c'est la vie. Ah bah de toute façon, regarde. Très bien, écrire une lettre musée, on est à côté du bureau de poste. Donc on valide, ok, oui. Et le fossile. On va très bien, on va aller faire ça. C'est parfait. Est-ce qu'on gagne des trucs à force d'aller au bureau de poste ou pas du tout? La mélodie, ça j'ai jamais capté à quoi ça servait. Ça m'intéresse pas du tout. Alors, voilà le bureau de la poste. Bonjour madame. Bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Poster des lettres. D'habitude, je lui fais pas de voix. Ça, c'est la voix de prof. Ça sert à rien. Mais bon, c'est des canards, pareil. Enfin, c'est un pélican, c'est ça? C'est un pélican. Ouais, tu veux envoyer d'autres lettres? Bah oui, je vais envoyer d'autres lettres. T'es mignonne. Allez, tiens. Ah, merci. Ah oui, je vois. Tu veux envoyer d'autres lettres? Non, vas-y. Viens, allez. Oh, vraiment? Ah, bah viens quand tu veux envoyer d'autres lettres. Ouais, d'accord, allez, salut. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Donc, c'est qui qu'on doit aller voir, là? On a des trucs à livrer. Ouais, ça, c'est pour... Pour Margot. Et il y en a pas un qui nous avait demandé d'aller voir Belle ou je sais plus qui. Ah, je sais plus. Attends, il n'y a pas Ronchon. Il y a Héloïse aussi qui devrait être dans le secteur. Attends. Juste à gauche. Hop. Donc ici, on a qui? C'est Héloïse. Mais ils sont tous de sortie, mais je les vois pas. Je suis de sortie. C'est qui? Oui, c'est Héloïse. Donc il y a Ronchon qui est juste à côté. Ah bah tiens, il est là lui. Bébel,
Non, je n'avais besoin de rien. C'est la dernière fois que je te le dis, infâme créature. Fiche le camp, amigo. Oh, attends. Oh, c'est toi. Je croyais que c'était encore ces cinglés qui distribuent des mouchoirs, amigo. Eh ben, pourquoi tu me parles, hein, toi, amigo? Bah, vas-y, t'as du taf, hein. Oh, ben, justement, je... Non, ben non, je m'en suis déjà occupé. Dommage, vraiment, hein, je n'ai rien pour toi. Alors, du coup... T'as rien pour moi, mais ça, c'est pas chez toi, ça, c'est sur Ronchon. Et tu vas me dire qu'il est sorti, lui? Oh, ils sont pénibles. Mais ils sont où? Ils sont où, là, tous? Ils se sont donné rendez-vous quelque part, mais... Mais ils sont où? Ils vont me dire chez ta mère. Merde! Ils sont planqués où? Ah, on va aller voir Alphonse. Attends, on va aller voir Alphonse. Il est où Alphonse? Ça se trouve, ils sont tous chez Alphonse. C'est pas possible. On les aurait vus, on les aurait croisés. Mais non, pour l'instant, il y a personne. Attends, bah, on a loupé Alphonse. Alphonse! Alors, t'as du monde chez toi ou quoi? Le meurtre de faim, ma mamie, y a... Si je m'en plie pas la panse maintenant, ça va me rendre barjot. Il veut des pommes, des pêches. Hein, quoi? Oh, cool, t'arrives juste à temps, hein, mamie. Tu m'as apporté, quelque chose à manger? Ben non. Ah non, bien sûr. Tu m'as rien apporté, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mamie? Bah, je récolte. Ah, il y a un des trucs après. Alors, t'es là pour récupérer la montre et la rendre belle, mamie. Je t'assure, hein, je n'avais pas oublié, sans blague. Je pensais la rendre demain avec un peu de chance. D'accord, j'avais complètement zappé que j'avais une mission à réaliser, mais si tu le dis. À toi de jouer maintenant. D'accord, bah d'accord. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Mais bon, on va le faire quand même. Attends, Belle. Salut. Du coup, est-ce que t'as du taf, Belle, une fois que je t'aurai... Oh, attends un peu, où vas-tu? Bon, ça suffit, hein, je vais m'occuper de toi. Quand je te vois déambuler avec un petit sourire aux lèvres, tu complotes quelque chose, ça crème les yeux. Hein, si tu fais quoi que ce soit, t'as intérêt à me prévenir avant, ok, amour, hein? Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas une obligation, mais bon, ce sera plus sympa. Eh, hey, tu as besoin de quelque chose ou quoi? Hein, amour, vas-y, une livraison. Ouais, prends ta montre de merde, là. Non, j'ai déjà vu ça quelque part, mais c'est la tienne! Ce ne serait pas ma super montre, amour, hein, de ta mère que je la reverrai, mais je ne pensais pas que ce serait si tôt, amour. Mais ravi son motif de ce papier-là te montrera ma reconnaissance, amour. Ouais, super, mais j'en ai à chier. Je vais me torcher avec, tellement j'en ai. Quand tu dis quelque chose, hein, tu le fais, hein, et tout de suite, hein, je trouve ça remarquable, amour. Vas-y, demande-moi, c'est... vas-y, je te demande si t'as pas du taf. Allez, c'est un bref après-midi. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je récolte encore. Ah, mais oui. Oh non, j'espère que tu n'es pas là pour l'appareil photo. Bah si. Je le savais, je l'ai complètement oublié, ce n'était pas à moi, je l'ai prêté à Margot. C'est une grosse bêtise, j'espère que tu l'as pas vu, Roxane, il te faut aller voir Margot, amour. Ils sont tous débiles. Je sais pas pourquoi ils parlent comme ça. Vas-y, Margot. Bon, attends, ne me dis rien. Non, attends, ne me dis rien. Tu es Mistono, c'est ça, c'est bien ton nom, je me trompe, amour. Hi, bien sûr que non, je ne l'ai pas oublié, gros bêta. Je te l'ai déjà parlé au moins 800 millions de milliards de fois. Amour, qu'est-ce que tu veux, amour? Vas-y, livraison, hop, tiens, t'as un t-shirt, et je vais te recoser pour que tu, vas-y, tu l'essayes. C'est le même, c'est exactement le même. Oh, c'est vraiment moi? Oh, je suis magnifique, j'ai presque du mal à me reconnaître. Mais psychopathe, tiens, je te donne ces vêtements, amour, putain, encore des vêtements de merde, je préfère les miens, ils sont pourris les vôtres. C'est chouette de constater qu'il y a des gens comme toi, hein, qui en veulent à fond, amour. Mais pourquoi ils m'appellent tous amour? Ils me saoulent. Tiens, rebonjour, voilà Mister Nose, ça me fait plaisir, amour. Mais on s'est vu à l'instant, je suis pas parti en fait. Là, c'est ça, vas-y. L'appareil photo, tu le veux? T'es dingue? Eh bien, pas de bol, c'est Alphonse qui l'a emprunté, alors je ne l'ai plus et je ne sais pas pourquoi, mais tu peux m'insulter si tu veux, mais il va falloir aller voir Alphonse, hein, pour le récupérer, amour. Putain, ils sont casse-couilles. Bon. Hein? C'est mis à l'heure du déjeuner, non? Hein, trop cool! J'ai toujours un regain d'énergie du déjeuner. Il est 4h30. Un énergie de manger un bon repas copieux et savoureux. D'accord, je me sens comme un gamin, tu veux dire c'est l'heure du goûter. Raconte un peu qu'est-ce que tu veux, Prick. Du taf. Quoi, tu veux m'aider? Oh, c'est sympa de ta part puisque tu me le proposes, je ne peux pas refuser, hein. Ronchon doit avoir ma super Game Boy, tu veux bien t'en assurer? J'aimerais bien moi-même, hein, mais j'ai vraiment trop de trucs importants.
ingérer. Oui, c'est ça, Poink. Alors, t'en penses quoi? Ah, tu peux m'aider, Poink? Mais oui, tu sais tout. À toi de jouer maintenant, Poink. Fait marrer, celui-là. Du coup, on va aller voir, tout le monde. Donc, Alphonse, Ronchon. Il y a Clégon, il est où, l'autre? Là, tiens, et toi, espèce de vieille canaille. Salut, qu'est-ce que j'ai faim et pas toi? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ma mamie? Vas-y, je récolte. Alors, tu es là pour récupérer l'appareil photo et le rendre à Napoléon? Ma mamie, ah oui, c'est celui de Napoléon, d'accord. Mais t'as dit, je n'avais pas oublié, sans blague, je pensais le rendre demain avec un peu de chance. Oui, bah, c'est ça, on remet toujours au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est un classique. Bon bah voilà, c'est tout, hein. Je compte sur toi, ma mamie. Tu m'étonnes. Non, mince, j'ai appuyé sur le bouton, vas-y, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, rien. Ronchon maintenant. Non mais c'est bien, ça occupe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on sait pas où il est, l'autre. Tais-toi. Donc lui, là on a été par là déjà. Est-ce qu'on a fait toutes les cases? Non, on n'a pas fait toutes les cases du jeu, sinon ça aurait été trop marrant. Donc Ronchon, on sait pas où il est. Napoléon, on pense savoir où il est. Il doit être devant chez lui. Je regarde hein, si par là, il y a des trucs à faire. Bon, les arbres, ça pousse en tout cas. Tiens, est-ce qu'il y a eu des poires qu'on poussait là-bas? Donc bien entendu, hein, je jouerai en off pour pouvoir progresser. Tiens, bah tiens. Oui, les poires, elles ont poussé. Donc là, c'est mon verger. Hein, normalement, voilà. Il y a plein de poires ici. Je vais laisser tout ça pousser. Tranquillement. Par contre, là, j'ai peut-être un fossile supplémentaire à récupérer. Hop. Allez, dis-moi que c'est pas un gyroïde. Bah après ça coûte cher les gyroïdes. Non, c'est bien, c'est un fossile. Oui, on est content. Hop. On verra plus tard. Et on. Hop, on répare tout ça. L'appel. Hop, dans l'inventaire. Ici. J'aurais pu faire un petit pixel art. Je vais en prévoir du petit pixel art et puis on en fera ensemble. Ça peut être marrant. Toc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ou un par un, on pourrait se faire un personnage. On pourrait se faire un personnage. Ah oh bah tiens, elle est là, elle. Salut. Ah, il est dégueulasse ton t-shirt. Ah, mais qui voilà, Mister Nose, belle jambe. Et puis là, l'autre, il a mon t-shirt Superman. Comment vas-tu, amour? J'espère que tu manges bien. Bah, alors, qu'est-ce que je mange bien? Sache que moi, je viens d'abandonner mon régime parfaitement. Et j'ai pensé, bah écoute, moi, j'ai mangé des galettes aux œufs et puis. Au fromage là cette nuit, donc ça va quoi. C'est quand j'ai faim, je mange. C'est vrai, après tout, c'est mon corps, hein, je fais ce que je veux. Non, bah oui, mais fais gaffe à ta santé quand même. Ah, puis Héloïse, voilà, ils sont tous sur la place du village, c'est ce que je disais. Je suis déjà irrésistible. Mais si tu te plais comme ça, par contre, fais gaffe à ton cholestérol, hein, fais gaffe à ta santé. True rêve de Salam Alec, de quoi t'as besoin, amour? Besoin d'aide? Quel bonheur, tout le monde veut me rendre service puisque tu le proposes. J'ai une mission à te confier. Alors dis-moi, tu connais Margot, tu sais, cette crapule un peu barge, mais comme vous tous en fait. J'ai prêté une Game Boy à mon... Et par contre, vous pouvez pas vous renouveler quand même au niveau des objets. Ça fait longtemps que j'attends et je ne vois toujours rien venir. Hein, si à se demander si je la revois un jour, hein. Tu vas être un cœur et aller voir ce qui se passe. Ouais, je gère. Là, je compte sur toi, Mister Nose, hein, ne me fais pas faux bon. Ok, c'est tout. Hop là. Et j'ai mon téléphone qui sonne. Je regarde juste qui c'est. Toujours les mêmes. Pardon, mais je suis en retard, tut-tut. Oh, excuse-moi, hein, c'est toi, Mister Nose. Je croyais que tu allais me draguer, me demander un service de draguer, t'as eu ta gueule. Hein. Puis draguer, ça veut dire racler le fond, ça se fait pas, quoi. À l'évidence, j'ai trop de succès avec les autres, hein, tu sais, tout le monde veut jouer avec moi. Faut pas croire, hein, de temps en temps, c'est presque gênant, tut-tut. Trêve de bavardage, hein, t'as besoin de quelque chose, tut-tut. Je veux t'aider. Écoute, hein, je regrette, hein, mais je n'ai rien à te demander. Hein. Je regrette vraiment. Tut-tut. Donc le ronchon. Oh, bah tiens. Ça bug. Ignoré pour cette session. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est toujours bon. J'ai eu un petit bug, je sais pas ce que c'était. Donc on verra. Eh bien, ce serait pas Mister Nose. Hein, non, je ne suis pas débile, je me sens très bien, enfin, je sentais bien jusqu'à ce que tu arrives. Ça va, j'ai cette tête depuis la naissance, je me vengerai un jour, Arsouille. Ok. Qu'est-ce que tu veux, Arsouille? Je récolte. Quoi? Oh mince,
Je ne t'attendais pas, écoute, je l'ai prêté à Margot. Voilà, je ne l'ai plus. Bon, je te l'ai dit, hein, t'es content? Margot a cette stupide Game Boy. Je sais, jamais je n'aurais dû m'en séparer. Mais ça ne sert à rien de me le reprocher maintenant. Va voir Margot pour en parler, Arsouille. Arrête de m'agresser et sors de chez moi. Et tu vas te calmer. Bon, tout ne se passe pas comme je veux. Il va falloir que je repasse un coup de fil, là. Assez vite. Parce que c'était insistant. Donc, voilà, en ces périodes... Voilà, on prend des nouvelles de la famille et tout, histoire de savoir comment ça se passe. Donc je vais pas m'éterniser sur Animal Crossing, de toute façon voilà, vous voyez comment ça marche. Il n'y a rien de vraiment neuf. Donc je vais aller sauvegarder, tant pis si la session elle est un petit peu plus courte, mais voilà, il faut que je fasse ce que j'ai à faire. C'est pas grave, déjà vous avez eu pas mal de vidéos, 4 vidéos hein, cette nuit. Enfin, depuis hier, 4 vidéos, 2 cette nuit et 2 hier. Animal Crossing, bon, c'est juste des allées et venues, vous savez comment ça se passe. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent que de refaire 15 000 fois les mêmes missions, là. Hein, vous savez à quoi ça ressemble. Quand il y aura du nouveau, bah, je vous mettrai au courant. Donc, après, je pense pas, je pense que, voilà, on rentre dans les temps, hein, au niveau de la vidéo. On va être sur 45 minutes, à peu près, de jeu, de gameplay. Bref, allez, hop, on rentre. Je vais sauvegarder. Je vais passer mes coups de fil, machin. Faire un petit peu de ménage aussi. Hein, voilà. Je m'occupe de mes chats. Et de toute façon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle session de jeu sur Animal Crossing et sur autre chose. On va bientôt attaquer les X-Men, la X-Men Legends 2 Rise to Apocalypse. À moins qu'on fasse du Marvel Ultimate Alliance, mais non, dans l'ordre chronologique, ce serait plus intéressant de faire la suite des X-Men. Alors que j'ai émule façon PSP, ça devrait être sympathique. J'espère que ça le fait aussi au niveau, là, parce qu'il y a eu un petit bug. Donc à voir d'où ça vient, donc de l'émulation, ou sinon peut-être de la mémoire, parce que je prends beaucoup de place niveau mémoire sur le PC, avec toutes les vidéos que j'enregistre. Donc c'est peut-être pour ça, donc j'espère que j'ai tout en entier. Bref, sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt dans votre futur. Et ciao, bye.